Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, ce que je vais préparer aujourd'hui, ce sont des épinards avec pommes de terre. Vous allez avoir besoin donc d'une petite boîte de conserve épinards hachés. Moi, j'ai acheté ça chez Carrefour. Un oignon coupé en tranches, une tomate, un piment vert. J'ai pris 4 pommes de terre, mais je pense que je vais en avoir besoin que de 3, ces 3-là, parce que j'utilise une petite boîte d'épinards. Le double concentré de tomate, piment de Cayenne, mais tout piment que vous utilisez, hein, ça peut être même paprika doux, enfin ceux qui n'aiment pas trop que ce soit pimenté, curcuma, du sel et l'huile d'olive. Donc là, j'ai mis de l'huile d'olive dans la marmite et donc l'équivalent toujours de la moitié de ce petit bol. Voilà, donc là après, je vais y intégrer donc l'oignon coupé en tranches et vous le faites revenir en fait de manière à ce qu'il change de couleur, pas tout noir mais voilà comme d'habitude marron foncé. Donc là en attendant que je fais revenir l'oignon dans l'huile d'olive ça commence déjà à changer un peu de couleur, j'ai coupé les pommes de terre, du coup j'ai utilisé les 4 parce que je les ai vraiment coupées de cette forme là. Donc c'était ni trop gros ni trop petit. Voilà. Et donc là, je continue à laisser revenir l'oignon avant de pouvoir mettre la tomate, le piment vert et les épices. Donc là, ça y est, vous voyez, ça a changé de couleur. Donc là, je mets ma tomate. Et donc là, petit à petit, je vais pouvoir ajouter mes épices. Donc là, je vais pouvoir ajouter une cuillère à café et demi de piment de Cayenne. Je rajoute le curcuma. Voilà. Le curcuma. Hop, pareil, une cuillère à café et demi. Et le sel, pareil, une cuillère à café et demi. Voilà, je vais mélanger des épices avec la préparation oignon, tomate, piment et la piment vert. Et donc là, j'ajoute une cuillère à café, une bonne petite cuillère à café de double concentré. Et là, vous voyez la préparation, on ne colle toujours pas. Moi, je suis un peu fort depuis le début de la préparation. Vous pouvez laisser vraiment un peu moyen si vous n'êtes pas salé au niveau de la marmite. Une fois avoir bien mélangé le concentré de tomate, là, on va pouvoir ajouter un petit peu d'eau. Donc là, je rajoute un petit peu d'eau. Je mélange le tout et là je vais pouvoir rajouter juste après, avant que l'eau soit complètement absorbée, et je vais rajouter du coup la boîte de conserve d'épinards. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens d'ajouter donc la boîte de conserve. Je la mélange bien à la préparation et en fait, petit à petit, dès que l'eau sera complètement absorbée par la préparation, donc l'eau qu'on a ajoutée juste avant, je vais continuer à rajouter petit à petit un peu d'eau, pour que vraiment les épinards prennent le goût des épices et aussi tout ce qui est oignon, enfin vraiment qu'ils prennent toute la préparation de base. Et après on va pouvoir ajouter du coup les pommes de terre. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les épinards, mais franchement si vous les cuisinez de cette manière là, je suis sûre que vous allez aimer. Il faut essayer et moi personnellement j'aime pas du tout les épinards, mais vraiment pas. Et quand j'ai appris à les cuisiner comme ça, depuis j'adore. Franchement j'adore, j'en mange très souvent et c'est bon aussi pour la santé, ça reste quand même un bon plat. Et franchement facile à réaliser, et puis même c'est pour la préparation que je suis en train de faire, c'est pour 4 à 6 personnes. Donc vous pouvez très bien l'accompagner de pain, ça peut être très bon avec le pain, peu importe le pain que vous utilisez. Et aussi avec du riz blanc,
ça peut très bien aller avec aussi. Mais franchement, faut essayer pour vraiment pouvoir dire qu'on n'aime pas ou qu'on aime les épinards. Donc là, depuis que j'ai ajouté les épinards, je ne vais pas rajouter d'eau. C'est en fait l'eau aussi qu'il y a dans la boîte de conserve. Donc on va la laisser complètement absorber la préparation. Et voilà, dès qu'on voit que ça commence un peu à faire ressortir, entre guillemets, l'huile d'olive, comme là on peut le voir, on rajoute petit à petit un peu d'eau. Donc là, je vais vous montrer vraiment. Même pas une cuillère à soupe quoi. Donc petit à petit. Donc là, vous allez voir qu'en fait, au fur et à mesure, là, à ce niveau-là, je peux commencer à rajouter un petit peu d'eau. Toujours un petit peu. Et vous pouvez répéter cette étape au moins, allez, 3 à 4 fois, max, pas plus. Pour qu'en fait, on puisse après ajouter les pommes de terre. Et en fait, ça va continuer à souffler. Le but étant qu'en fait qu'on ait une texture des épinards vraiment pas comme celle qu'on a dans la boîte de conserve. Donc voilà. Là je vais pouvoir ajouter mes pommes de terre. Je mélange bien. Finalement là c'est suffisant, hein, 4 pommes de terre. Je pensais que c'était pas assez suffisant, mais ça va, c'est suffisant. Donc là pareil, on va laisser un petit peu avant de pouvoir ajouter vraiment la moitié, l'équivalent d'un petit gobelet ou même ouais, je dirais un petit gobelet, voire même un gobelet et demi pour pouvoir laisser cuire aussi les pommes de terre. Mais pour l'instant on laisse vraiment revenir. Pareil, on laisse prendre vraiment les pommes de terre, vraiment prendre la préparation. Pareil, les épices, etc. Il faut vraiment bien mélanger aux pommes de terre. Avant de pouvoir ajouter l'eau, parce que les pommes de terre. Là voilà, j'ai bien mélangé pendant un petit moment. Et là je rajoute donc un petit bol. Moi j'utilise ce petit bol. Pour pouvoir en fait laisser à tenir afin qu'en fait nos pommes de terre soient cuites. Donc là, voilà, je suis toujours à plus fort. Mais je vais le réduire et je vais couvrir. Et je mets bien les pommes de terre dans l'eau pour qu'elles puissent cuire rapidement et correctement d'ailleurs. Donc là, hop, c'est doux. Et je couvre. Je vais laisser au moins 10 minutes à feu vraiment doux, de manière à ce qu'en fait ça soit vraiment pris en compte et que les pommes de terre soient cuites. Donc là, notre plat, il est prêt. J'ai dû rajouter un deuxième petit bol d'eau afin que les pommes de terre soient bien cuites. Donc là, le plat, il est prêt parce que j'ai regardé s'il y avait les pommes de terre qui étaient cuites. Hop, voilà. Donc c'est cuit. Là, du coup, je vais pouvoir éteindre le feu.